Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis tout seul actuellement car je suis obligé de faire un épisode spécial solo sur le tournesol car la barre de coupe qu'on a fonctionne mais que en solo, malheureusement. Donc, si vous en avez qui fonctionne en multijoueur, nous sommes preneurs avec Nico. Donc, il est 7h36, nous sommes le vendredi, il est le 23. Petite parenthèse par rapport à dimanche. Dimanche, je vous rappelle qu'il y a le changement d'heure. Donc, n'oubliez pas le changement d'heure. Donc, à 3h du matin, il sera 2h du matin. On dort une heure de plus. Donc, 3h du matin, finalement, il sera 2h du matin et on gagne une heure de plus. Là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire. Bah, du moins celui-là qui est en train de se dire dans sa petite tête, là, celui qui en branle pas une, celui qui aime bien dormir, celui qui a un lève tard et qu'un gros feignant qui doit se dire ah oh, c'est cool, on dort une heure de plus, je vais pouvoir flemmarder dans mon plumard tranquille, quoi, une heure de plus, ouais, c'est super. Lol. Moi ça changera rien, n'importe comment, mes horaires sont toujours aussi cons. Voilà. Bon bah on est parti hein, et puis on est parti. Voilà. Allez, c'est parti. Et c'est la barre de coupe du jeu à la base, mais qui avait été modifiée en mode. Voilà, tout simplement. Donc j'essaie de pas faire trop de bruit parce que ça dort à la maison. Était déjà baissé. Allez, on est parti. Je m'installe. Hop. Ah, la trémie, elle est vide. Ok. Bon, par contre, elle se remplit très très vite la moissonneuse. Je trouve ça un peu dommage. Parce qu'en deux mots, on fait une allée, voire ou un aller-retour, je sais plus. Et c'est plein, quoi. Excusez-moi, j'ai toujours ma toux. Après, je n'ai qu'à arrêter le tabac. Faut que j'y retourne voir mon pote hypnothérapeute qui fait de l'hypnose canadienne auprès de Saint-Lô. Pour ceux que ça intéresse, bah, l'arrêt du tabac par hypnose, ça fonctionne vraiment. C'est pas à l'infini, il y a une durée. Moi j'avais arrêté pendant 3 ans. Donc faut que j'y retourne là. Vous voyez, j'ai repris et ça va faire 2 ans maintenant que j'ai repris la clope. Non, un an. J'ai des conneries. Un an. Vous voyez, regardez, j'ai fait une barre et puis. Oh, c'est la poisse. Ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Alors on va se mettre en mode bip bip. Bip bip, biou. Dédicace à bip bip d'ailleurs, frère Baptiste. Si tu regardes cette vidéo. Il sera content, il regardera la vidéo. Pourquoi tu dédicaces à lui que je fais cette voix là derrière? Tout simplement, c'est qu'il aime bien que je fasse la voix de la marionnette dans Jeff Panaclock. Tout simplement, voilà. Ça le fait triper. Bon, après, ça reste un ado, voilà. Il faut pas grand-chose pour les y amuser, les petits. Donc ça sera un tout petit épisode sur lui-ci, hein. On va faire vraiment le petit bout de champ qui reste là. Histoire de dire que voilà, sur la map là, la map Normandie V2,
On aura bien fait le tournesol comme on vous l'avait dit et comme j'avais dit. Alors que Nico avait dit, ouais, tu dis pas ça tout de suite, je suis sûr que tu vas pas le faire, machin, nanani, nanana. Eh ben si, t'as vu Nico? Ben je l'ai fait. Je sais même pas si le champ il nous appartient en plus. Donc on n'a toujours pas cheaté la partie, hein. Franchement, avec Nico, on s'est même dit comme ça, on s'est fait la réflexion hors tournage. Franchement, on avait bien géré le truc quoi. Bah, à un moment donné, on n'avait plus du tout de thunes. Heureusement qu'on avait du stock. On a tout vendu. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Parce qu'il faut pas croire hein, non plus. Hein, quand on se connecte, on filme pas aussitôt. Hein, on joue entre deux aussi. Hein. Donc, hop, regardez. Ouais. On va retourner le chercher. Bon bah c'est bien, ça vide, ça vide, ça vide. Ah, j'avais pas fait gaffe. La texture dans la benne est la même, mais là c'est pas la même. Là c'est bon. Ouais c'est pareil, c'est comme dans la benne. Putain c'est dommage. Hop là, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de couper le micro. Pip pip. Sais pas si ça ce que ça dit par chez vous en ce moment, mais par chez moi c'est l'ensilage. Putain, devant chez moi c'est une autoroute quoi, sérieux, c'est l'autoroute des tracteurs quoi. Oh, c'est un truc de malade. Déjà la dernière elle avait beaucoup, mais alors là c'est 3 à 4 fois pire quoi. Par contre, s'il y a des agriculteurs du Calvados qui se trouvent, qui regardent nos vidéos et qui se trouvent entre Bas-le-Roi et Caen, putain, sérieux, hey, les mecs. Il y a une loi qui dit si vous nettoyez pas la route, vous devez mettre un panneau de signalement de boue ou de travaux agricoles. Putain, ça vous coûte quoi de le mettre, sérieux? Putain, moi je roule tous les jours en bécane. J'ai failli me casser la gueule cette semaine. Franchement, vous foutez de la gueule du monde, quoi. Même la semaine dernière en plus. Entre Tilly-sur-Seuil et Bas-le-Roi. Hein, franchement, ça commence à bien me plaire, quoi. J'ai rien contre vous, mais putain, sérieusement, les mecs, respectez la loi, quoi. Vous savez gueuler quand ça va pas au niveau des tarifs, machin et compagnie, mais faut être réglo aussi des deux côtés, quoi. Certes, vous n'avez pas le temps, faut se dépêcher, mais enfin bon, un panneau, poser un panneau attention boue ou travaux agricoles, ça vous coûte quoi de le poser? Et encore, pas l'entrée du champ, hein, là où il y a la boue, hein. Faut le mettre 150 mètres avant, minimum. Hein, pour prévenir les gens en avance. Parce que, ah merde! Parce que du coup,
Moi, il n'y avait pas du tout de panneau. J'étais derrière une semi. Ouais, j'étais pas collé à la semi non plus. Hein. Par contre, voilà quoi. J'ai pas vu le danger arriver. Voilà les mottes de terre qu'il y avait. Franchement, j'ai pas trop apprécié quoi. Moi, ma bécane, elle est toute neuve. Donc ça me ferait un peu chier quoi. De me casser la gueule. Comment si je me casse la gueule à cause d'un agriculteur. Moi, je m'en fous. Moi, malgré que je suis assuré tout risque, mais je suis fait constater par la gendarmerie. Hein. Je vous le dis tout de suite hein, pour les agriculteurs du Calvados ou même de la Manche. Je vous rappelle juste un petit rappel à la loi par rapport à cette saison. Et tout se passera merveilleusement bien. Pour tout le monde. Et vous n'aurez pas d'amende parce que faut savoir quand même que vous êtes verbalisable pour non-panneau. Hein. À moins que vous nettoyiez la route à fur et à mesure. Mais ce qui m'étonnerait quand même, fort possible. Ce qui m'étonnerait énormément quand même. Putain merde, on est où par rapport à la carte là? Ah oui, c'est vrai, on est là. On va mettre les petits gyros. Attention à l'heure parce que moi je travaille tout à l'heure donc il ne faut point que je parte en retard. Oh merde, c'est vrai, je suis en solo. Oh, c'est bon là, attends, t'exagères toi, mec. Oh. Comment ils exagèrent là? C'est exagéré ça, putain, franchement, les bagnoles. Chier ces putains de gens. On va se dépêcher avant qu'il y ait une bagnole arrive. Ah putain. C'est bon, ça le fait. Agrial, la 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 la. Et en fait, j'espère que c'était là qu'il fallait le vendre. Bon, on va remettre les cochonneries, parce que j'en sais rien. Ah mince. Bon, on va les retourner là-haut. Ah, fait chier, merde. Ils sont radins ici. T'as une différence de 200 euros quand même. À la tonne, ça monte vite, hein. Putain, fait chier, j'étais juste à côté, quoi.
Donc cet épisode, ça va être l'épisode 8, si je me trompe point. Bon, j'avais dit qu'on irait jusqu'à épisode 10. Au départ, j'avais dit 15. Après, j'ai rechangé, j'ai dit 10. Alors, au final, j'en sais strictement rien. On ira jusqu'à bon nous semble et qu'on décidera de changer. Car je suis en train de faire le tour des maps. Il y en a quelques-unes qui me plaisent, d'autres moins. On va y voir d'autres pas du tout. Là, il va falloir que je voie parce qu'il y a une nouvelle map que j'aimais bien. Il y a une nouvelle version qui vient de sortir. Il va falloir que je voie avec le modeur, vu que c'est une carte privée, si je pourrais avoir cette carte. Parce que franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Alors, remixé par ce modeur. Je sens que ça va être que du bonheur de jouer dessus. Donc, s'il y en a qui suivent ce modeur, ils vont savoir de quoi je parle. S'il y en a qui savent pas, bah tant pis pour eux. Bon bah voilà, je pense qu'on va même clôturer sur le retour du tracteur dans le champ. Et puis, parce que je suis vrai que quand on est tout seul, on n'a pas forcément trop parlé. Je ne peux pas trop parler non plus, j'ai les enfants qui dorment encore, bon, ma femme est au travail. Mais... et puis il faut que l'heure tourne, il faut que je me prépare pour aller... non, c'est à l'autre. Et puis il faut que je me fasse de me préparer pour aller bosser. Hop là. Donc on aura fait un tout petit épisode sur le tournesol. Un petit hein. À mon avis, hop, il doit rester dans la trémie, je suis sûr. Oh bah il reste juste un aller-retour. Ouais, allez, on va le finir ensemble. Allez. Je pensais qu'il m'en restait plus que ça. Taïo. Tada tada tada. Essayer d'en prendre un maximum au niveau de la barre de coupe.
j'en sais, j'en laisse, mais c'est pas grave. Pardon, excusez-moi. Il se fait quelle heure? Il va être 8h. Que ça sent la vidéo de 40 minutes quand même au final hein, dans l'histoire. Ah zut. On a peut-être pas. Bon bah voilà, c'était le dernier champ parce qu'au final tous les autres avaient été faits avant sans avoir tourné. Donc j'ai voulu garder quand même le dernier malgré qu'il était déjà attaqué pour le faire en vidéo, pour vous montrer quand même que le tournesol nous l'avions fait. Ah, c'est dommage que la texture là n'était pas la même. Ah, tac, tac. Non, c'était pas ça, c'était tac, tac. Ah bah oui, il faut peut-être replier la buse. Ah oui, c'était ça. Ok. C'est bien ce qui me semblait. Et voilà les amis, donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Donc là c'était le tournesol épisode 7. Et je vous dis très bonne journée et ciao tout le monde, bisous.